Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Monsieur Cissé. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. C'est quoi le TC Le TC Event, au fait, c'est une structure qu'on a décidée entre nous ici, moi et mon ami, M. Cissé, le TVD Touré et le CVD Cissé. Parce que on s'est dit que on est là, on va travailler tous les jours et ça ne se limite pas à ça. On vient de quelque part, de la Guinée. Donc, on a décidé de faire quelque chose pour ce pays. On voulait être utile pour le pays et on dit on peut aider le pays partout, que ce soit dans la culture, dans le sport. Et nous, on s'est décidé d'investir dans la culture, quoi, pour faire des événements culturels. Donc, c'est ça. Et pourquoi le nom La Nuit des Leaders? La Nuit des Leaders, on a pris ce nom comme concept, c'est parce que, vous savez, c'est pour nous une manière de remercier et de récompenser certaines personnes que nous disons leaders, qui ne seront jamais récompensées par les autres. Comme la femme, par exemple, et c'est pourquoi nous avons même dédié cette soirée aux femmes cette fois-ci, aux femmes du monde entier, quoi. Et pourquoi exactement cette deuxième soirée a été dédiée aux femmes? Au fait, on vit dans la communauté et on connaît des réalités de la communauté aussi. Et il y a une grande injustice en ce qui concerne les femmes. Et dans la vie normale, les femmes ont toujours fait plus que les hommes et c'est jamais reconnu. C'est pourquoi nous, de notre part, on a décidé de récompenser ces femmes. Tu vois? Et c'est une confusion parce que toute l'humanité entière est d'accord qu'on ne peut pas se détacher de la femme. C'est l'être le plus important. C'est la racine même de l'espèce humaine. Parce que sans la femme, il n'y aura pas de reproduction. Pour nous, c'était un objectif de combattre cette injustice. Parce que même si tu vois en Europe ici, c'est les femmes qui se réveillent le matin pour s'occuper des enfants. C'est les femmes qui font le manger. Elles amènent les enfants à l'école et elles font les mêmes activités quotidiennes que les hommes. Elles font toujours plus, mais quand on rentre dans la maison, on ne parle que de l'homme. Même en Afrique, quand on parle de la charité de la vie, c'est la femme qui est confrontée à cela. Donc pour nous, c'était une nécessité de récompenser les femmes, parce que les femmes, c'est nos mamans, nos sœurs, donc c'est nos épouses. Sans les femmes, on n'est rien. Donc c'était une urgence qu'on réagit, qu'on rappelle les gens à l'ordre, quoique cette injustice n'est pas correcte. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, je crois qu'il a tout dit. Les femmes, c'est nos mamans, c'est nos femmes, c'est nos sœurs, c'est nos enfants. Donc nous, on a choisi d'honorer les femmes. On a choisi d'honorer les femmes. On a choisi de grandir les femmes. Oui. En tout cas, c'est un plaisir. Je suis la voix des femmes. Je vous dis merci Merci pour beaucoup. cette dédicace pour les femmes. Merci. Et puis en même temps, je tiens à poser une autre question. Où se tiendra la cérémonie et tout ça pour que toutes les femmes puissent devenir grandioses? Voilà. La cérémonie se tiendra à Cologne et ce sera à Vogelsangerstraße. C'est le 10 novembre. C'est une soirée dansante qui permet aussi à toute la communauté africaine de se retrouver afin de bien fêter, quoi. Ça se passera à Cologne le 10 novembre. Et quel est le programme exact? Au fait, le programme est intense et il y aura une grande surprise. Et puis, on rappelle à tout le monde que la Nuit des Leaders, c'est une soirée cosmopolite. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour inviter toute la communauté africaine, toute la communauté guinéenne, de par le monde, parce qu'il y aura des surprises. Les gens viendront des États-Unis, de la Guinée, de l'Afrique, d'un peu partout. Et que cette Nuit des leaders, c'est une soirée dansante et il y aura deux artistes invités. Il y a Moussa Tanga et Bissa Fanta aussi qui va jouer. Et la grande surprise, il y aura la voiture à gagner. Et on va vous expliquer comment on peut gagner cette voiture. Vous achetez le ticket, il y a trois sources. Il y a une qu'on laisse à la porte. Et il y a quelqu'un qui est assermenté, il n'y aura pas de tricherie, qui va garder la deuxième source. Et la troisième, vous donnez ça vous-même à la rentrée. Donc après, il y aura un tirage au sort. On choisira le plus jeune de la salle pour venir faire le tirage.
Et là, le numéro gagnant aura une voiture qui est enregistrée pour une semaine. Et avec cette voiture, il pourra aller partout en Europe. Voilà, c'était ça le point important de cette soirée. Et puis en plus de cela, on invite toutes les femmes leaders de nous envoyer des vidéos pour qu'on connaisse leurs activités, parce qu'on va honorer les femmes là-bas. Il y aura des femmes qui sont décorées. Parce qu'on ne peut pas organiser une soirée d'ensemble comme ça, dédiée aux femmes, sans qu'il y ait des souvenirs. Vous voyez, non? C'est d'encourager aussi plus que les femmes s'intègrent ici en Europe, que les femmes s'investissent de plus pour la communauté, qu'il y ait une reconnaissance de leurs efforts qu'ils fournissent pour leur famille. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que la soirée est dédiée aux femmes, mais toutes ces femmes sont soutenues par leurs frères, leurs soeurs, leurs maris et leurs papas. Donc, ce serait quelque chose de très bien. Nous profitons aussi l'occasion aussi de remercier l'équipe de TC20 et nous invitons aussi la communauté africaine de l'Europe de venir ce jour pour qu'on puisse bien vraiment fêter cette soirée. Ok, je vous remercie, mais je pense qu'avec ce beau programme, nous les femmes, on viendront massivement pour soutenir, Inch'Allah, et à bientôt. Merci madame, et on attend impatiemment. Merci beaucoup. On y sera. Ok.